La concentration de miasmes s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château ? Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Thank you.
Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Des fresques, ici? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques ? Ce personnage ressemble aux statues de tout à l'heure. C'est un Sonao. Et là, regarde! Ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. Oh. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la terre pour fonder avec eux un nouveau territoire. Le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite, vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proua qui me l'a confectionnée. Je suis bien contente de l'avoir emmenée. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin.
Qu'est-ce que c'est ? Thank you.
Te voilà réveillé, Link. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri.